Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Ma Ville Moderne. Dans la dernière vidéo, vous avez vu Ma Ville Moderne, donc ces bâtiments-là, dans la vidéo animée, quand je l'ai vraiment présenté à voix haute. Voilà, donc, très belle ville. Si vous voulez la revoir, vous pouvez appeler sur la Ville Moderne hashtag 2. Là, c'est la Ville Moderne hashtag 4. Et là, je vais vraiment vous présenter la suite. Toujours aussi moderne. Je vous ai montré pour terminer cet appartement qui n'était pas totalement terminé. Donc le voici. Donc le voici achevé. Donc voilà. Ça donne vraiment un ton moderne. Ce qui donne vraiment le ton moderne, c'est vous voyez les balcons. Il y a 7 étages. Donc voilà. Et c'est cette couleur bleue qui donne également ce moderne. Et je l'ai fait également de l'autre côté. Donc ici. C'est pareil. Donc voilà. Prochain bâtiment. Donc là vous n'avez rien vu. C'est cette rue, une nouvelle rue. Ce n'est pas une grande rue comme celle-ci. C'est une autre rue. Qui est toujours aussi moderne et que c'est toujours près du centre. C'est moins le centre. C'est moins le centre de la ville qu'ici, mais. C'est toujours, ça fait toujours la ville, c'est toujours, ça fait comme un centre quoi. Donc, après j'ai fait ce bâtiment, je l'ai appelé Mehdi, j'avais pas de place pour écrire tout le médical sur ce bâtiment, c'est un cabinet médical, voilà. Et ici c'est les parkings, pour les gens quand ils ont rendez-vous chez le docteur, donc ils se garent ici. C'est réservé uniquement aux clients. Donc, là c'est le panneau, ça fait un panneau pharmacie, vous pouvez le voir, mais c'est pas une pharmacie, c'est, on va dire, c'est docteur urgence, vous voyez cette couleur là, ça fait vraiment urgence. Donc voilà. Prochain bâtiment que j'ai fait, c'est ce bâtiment-ci. Ces deux bâtiments, c'est exactement le même, vous voyez à gauche ici et à droite. Donc j'ai réalisé des appartements toujours aussi modernes. On se croirait vraiment à la plage quand on voit ces bâtiments de profil, on dirait mieux. J'ai voulu encore être moderne avec les balcons, c'est ce qui donne encore le ton moderne. Donc là il y a moins d'étages parce que c'est moins haut. Vous voyez, par rapport à là-bas, c'est moins haut. Et la couleur dominante, c'est toujours le bleu. J'aime bien le bleu. Et le gris bien sûr, surtout gris, mais le bleu c'est vraiment. Et pour que ça fasse vraiment plus chic, j'ai mis de l'eau. Et là, ça fait vraiment un endroit très beau. Donc voilà. Après ce bâtiment-ci, j'ai réalisé le bâtiment à côté de cabinet médical. C'est des appartements, on dirait vraiment des bureaux, mais il faut être moderne donc. Et créatif donc voilà. Ça fait vraiment bâtiment de ville, c'est pas non plus très chic, mais ça fait, c'est moderne. Et l'arbre aussi, ça donne vraiment, ça fait vraiment moderne. Et la couleur dominante maintenant, c'est le vert, parce que le vert j'aime bien aussi. J'essaye de d'équilibrer les couleurs. Parce qu'il faut pas toujours mettre du blanc, du gris, du noir, parce qu'après... Ça fait monotone, disons. On a un peu de couleur, ça fait beau. Donc, enfin, un bâtiment, c'est un appartement. Bon. On imagine pas l'intérieur, parce que une grande fenêtre comme ça, c'est une fenêtre. C'est quand même un seul et unique appartement. Bon, c'est des appartements. Bon, en extérieur, ça fait vraiment beau. Et la couleur dominante, le bleu. Et ce que vous voyez ici, en bleu, là, c'est des fenêtres. Et il y a des fenêtres qui montent comme ça, et j'ai mis de la dalle, du tour en dessous, et là, bon, j'aime trop, j'aime bien. Ouais. Le bâtiment d'à côté, donc là, ça fait vraiment, faut l'inventer, lire ce bâtiment, c'est des fenêtres, c'est un appartement, mais les fenêtres, vous voyez, ils s'alignent en descendant, à chaque fois. Et ce qui donne le ton moderne, vous voyez, c'est les fenêtres bleues, mais vous voyez, qui
s'aligne de cette façon-là. Et moi, franchement, j'aime bien. C'est pas pareil partout. C'est le bleu. C'est la même couleur qu'avant, mais moi, j'aime bien. Et en dessous de ça, je mets toujours deux rayures de dalle. Et en plein milieu, je mets environ la couleur qui avait une couleur qui est un peu au-dessus. Donc là, j'ai mis du bleu parce que c'était bleu. Là, j'ai mis du gris pour pas mettre du blanc parce qu'il y a déjà du blanc ici. Ça s'équilibre. Et quand on regarde bêtement, ça donne vraiment envie de réaliser. J'aime bien. Et enfin, dernier bâtiment que j'ai pas totalement fini. C'est encore des appartements. C'est plus un hôtel, j'ai envie de dire. Je crois que ce sera peut-être un hôtel moderne. Donc là, c'est vraiment moderne parce que c'est le gris, le blanc et le noir qui sont réunis. Et la seule couleur, disons, qu'il y a, c'est le vert. Voilà, c'est le vert. Et ça fait vraiment un bâtiment verdure, quasiment verdure. Et ce bâtiment a son parking privé. Donc c'est uniquement les résidents de cet appartement qui peuvent rentrer là. Je vais faire les travaux nécessaires après, j'ai pas fini. Ils se garent là, en toute tranquillité, pas en train de chercher des parkings dans les rues. On imagine. Donc voilà. Mais j'ai pas totalement terminé. Il faut que je termine le mur. Et je vous rappelle que je m'occupe pas de l'intérieur des bâtiments. J'ai pas envie. Ça va plus vite de faire extérieur, au moins en avant dans la ville. Voilà. Donc maintenant je vais vous présenter, on va dire, pas les bâtiments, mais ce qu'il y a autour, disons. Donc, dans chaque bâtiment, je mets, vous voyez, des boîtes aux lettres. C'est des boîtes aux lettres ici, de cette façon. C'est pour montrer que c'est un bâtiment. C'est l'entrée, disons, du bâtiment. C'est une petite indication, mais. Voilà. J'ai mis ici des sonnettes. Ça donne vraiment les petits détails, il faut qu'ils soient là quand même, de loin. Ça fait beau. Et à côté de chaque route, ici, c'est des parkings. Au moins, les gens, il faut bien que les voitures se garent, vous voyez, dans la vraie vie. J'ai mis des parkings, vous voyez, dans toute la rue, un petit peu partout, à disque bleu. Les parkings, il y a disque bleu, donc il faut qu'ils disposent d'un disque bleu pour, vraiment, tout le monde doit en avoir, pour se garer. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, maintenant ce que je vais vous dire, c'est ce que je vais faire plus tard. J'imagine, il faut que vous imaginiez un petit peu comment que ça va être. Donc ici, ça va être un, on va dire un snack. Pour tout vous dire, c'est un snack. Ici. Et ici, ça va être encore des appartements. Donc ça va être toujours. Je crois que la couleur de l'appartement dominante, ça sera bon. La brique grise comme vous voyez là, mais le bleu aussi, j'aime bien le bleu. Donc voilà. Et il va y avoir là-bas des bâtiments résidentiels qui feront ça fera un style gratte-ciel orange et blanc. Donc ce sera de la brique orange et blanc. Vous imaginez un petit peu. Donc, je vais réaliser ça. Il y a quand même, ça prend quand même du temps. Vous verrez bien. Voilà. Et après là-bas, je sais pas trop, peut-être faire des maisons, ça va peut-être la fin du centre, je verrai. Donc voilà pour cette vidéo.